השיעור הוא לרפואת נתן יוסף בן יהודית ולרפואת עדי בן רבקה אמה סוזן. Le Midrash ramené ici dans le Shem Shmuel, comme vous le voyez, le Midrash Rabba, Ora Chaim Pentefales, Naru Ma'agelotea Loteda. Ce pasouk-là. Slicha Rav Shuv et Zermoud. Kouf Lamed Bet. Bet. Le pasouk de Michelet est à la base d'un midrash important. Les mots du pasouk Ora Chaim, donc le chemin de la vie, la voie de la vie, Pentefales, tu ne vas pas pouvoir l'évaluer Nauma Agelotea, parce que c'est Agelotea, c'est ces cercles, c'est Naou, ils bougent, ils sont en mouvement. Naou, Margelotea, ils sont en mouvement. Loteda, et tu ne sauras pas. Alors, il y a le pshat et il y a le drash. Et aujourd'hui, on va s'occuper du drash. Le pshat, vous pourrez le voir dans le texte même de Michelet et Perekhe, Pasukvav. Mais le midrash, tel que vous allez le voir ici, Ken. Chaim, le chemin de la vie, Pentefales, c'est en Pentefales en ne mesurant pas et en n'évaluant pas. Nauma Gelotea, parce que les mouvements de ces cercles, c'est-à-dire de ces chemins, Ken Ma Gelotea, c'est toutes sortes de chemins qui contournent. Loteda, tu ne vas pas pouvoir les connaître. Si on lit le Midrash tel qu'il est ramené ici, dans le Shem Shmuel, en résumé, enfin, en succinctement, le Midrash nous dit « Ma'u ora chaim pentefales » Qu'est-ce que ça veut dire, le chemin de la vie, tu ne vas pas pouvoir l'évaluer. « Ma'asa kadosh baruch hu lo gila la briot ma'u matan schara shel kol mitzvah ou mitzvah » En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dévoilé aux créatures « Ma'u matan schara » Quelle est la récompense de chaque mitzvah? Afin qu'ils accomplissent toutes les mitzvot betom, c'est-à-dire intègrement. Donc le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous dévoiler la récompense de chaque mitzvah. Pour quelle raison il n'a pas voulu nous dévoiler la récompense? Malgré que chaque mitzvah, a priori, aurait une récompense spécifique, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas le dévoilé. Pour qu'on fasse toutes les mitzvot betom, intègrement, et qu'on ne calcule pas, on ne va pas évaluer, on ne va pas dire cette mitzvah elle est importante, je la fais, celle-là elle est moins importante, comme le Pirkei Avot, et Verat, le mitzvah Kala, Keba Hamura, et Vezahir, le mitzvah Kala, Keba Hamura. Et le Midrash nous ramène un machal, une parabole. À quoi ça ressemble? Le melech chez Sachar lo poalim, à un roi qui a employé des ouvriers, v'yichnisan le pardesso, il les a fait rentrer dans son verger, velo gilalem maus charo shel pardes, il n'aura pas annoncé, dès le départ, informer les ouvriers quelle va être la récompense de chaque travail. Chez Loyani Khoudavar, chez Sraromouad, via Soudavar, chez Sraorbe, afin qu'ils ne vont pas laisser les choses qui ont un peu une rémunération petite, pas importante, et ils vont tous se concentrer sur les travaux qui ont une rémunération importante. Oui, oui, on va y toucher. Malgré qu'ici, le Shem Shmuel ne va pas poser cette question d'une manière qui ne va pas l'exprimer, cette question. Dans d'autres
J'ai mis Shmuel presque dans chaque année, il traitait ce sujet-là, ce midrash-là. On l'a déjà traité, mais avec peut-être un cheminement un petit peu différent. Il va poser une autre question. Dans le midrash, la parabole, elle est plus, enfin le machal, il est plus détaillé, que le roi est venu pour payer les employés. Et quand il est venu pour payer les employés, il a dit, « Ah, toi, tu as fait ça, tu as travaillé ce... l'olivier, il te revient ça. Toi, tu as travaillé ça, tu as travaillé les roses, il te revient ça. » Chacun, il a donné. Et ils ont dit, « Roi, mais si on savait d'avance qu'il y avait une différence, Ken, eh ben, on aurait investi plus. » Ça, c'est ce que dit le Midrash. Et qu'est-ce que dit le Midrash quand le roi répond, oui, mais si vous saviez le salaire spécifique de chaque travail et que vous auriez concentré sur les travaux importants pour avoir un meilleur salaire, le verger, il aurait été travaillé que partiellement. Donc, comment je vais pouvoir m'assurer que le verger soit travaillé entièrement? C'est en n'annonçant pas, à part ce que le Midrash termine, que HaKadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pour cela que je n'ai pas dit le salaire, la récompense de chaque mitzvah, à part deux mitzvot, qui sont la plus grande, la plus dure, hein, c'est le kibud avaim et shiluah haken, on sait ça. Les deux ont la même récompense exprimée, définie dans la Torah, c'est arichut yamim. Alors que l'une demande, la mitzvah de kibud avaim, elle n'est pas presque difficilement réalisable comme il faut. Comme les Chachamim l'ont exprimé plusieurs fois dans la Torah, dans les Chazal, dans les Gemarot, dans les Midrashim, il est très très difficile d'être acquitté de la mitzvah Kibud Avaim comme il faut. Alors que Shiluah Haken, c'est rien. Pour ceux qui aiment toucher les oiseaux, Ken. C'est pas le seul mitzvah qui est le manier Rishu Yamech Adam. Oui, mais c'est pour te dire que c'est pas grave. La plus lourde, la plus dure, qui est Kibud Avaim, et la moins dure, qui est Shiluah Haken, les deux ont le même salaire ou la même récompense. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas de différence entre. Oui, on a pris les extrêmes dans ce midrash. Ouais. Oui, mais non. Demi-vote dans le sens où... D'accord, tu as raison de préciser. Bada, et qu'il y a plusieurs endroits. Les maranirbouy et mechem vimé venechem à la Adama, on le dit tous les jours dans Kriyat Shema, et on ne parle pas de quoi. Là-bas, on parle de mezouza, de mitzvot, donc. Et c'est à la Adama, ce n'est pas pareil. Oui, c'est vrai en plus. C'est sur la vie personnelle. Quand la Gemara, elle veut dire que c'est Eretz Israël, qu'il y a des vieux. Il peut avoir des vieux qu'en Eretz Israël, pas en Houtz Laretz. Ouais. La Gemara, elle a dit. Et on a objecté ça, on a dit ça à Rabbi Yochanan, ils ont répondu. Mais on leur a dit, mais il y avait même en Babel, il y a des vieux. Après qu'on leur a dit que ces vieux, c'était des gens qui mashkimim ou maharivim et batek nesot venir les jot. Ah, je comprends. Si on est mashkimim, batek nesot venir midrashot, alors on peut vieillir même en Houtz Laretz. Bon, c'est la Gemara qui le dit dans ma Maaseret Brachot. Ça voudrait un petit peu dire que les batek nesot beta midrashot, on peut dire, c'est écrit dans les livres de Chassidut, que les batek nesot dans le midrashot de Houtz Laretz. Partout, ils ont un petit peu de Kedushat Eretz Israël. Donc ça peut expliquer que ça va un peu. En tous les cas, ce qu'on voit d'ici, Ken, c'est que les mitzvot, finalement, elles doivent être accomplies entièrement pour travailler tout le verger. Finalement, chaque mitzvah, c'est quoi? C'est un arbre du verger. Et donc, il faut que toutes les mitzvot soient réalisées, Ken. La totalité des mitzvot doit être réalisée pour que le verger soit entièrement travaillé. Donc finalement, l'essentiel, c'est l'accomplissement de l'ensemble des mitzvot. On voit d'ailleurs dans notre parasha,
Il y a d'autres parachotes comme la parachat qui t'étsé, la parachat Mishpatim, parachat Kedoshim, mais d'autres où le nombre de mitzvot est grand dans la parachat. Et donc la question qui se pose à nous, c'est finalement, quel est l'essentiel dans l'accomplissement des mitzvot? C'est la quantité, le faire le plus de mitzvot, quantitativement parlant, ou la qualité? Alors de là, on voit qu'il y a un verger entier à travailler. Donc on peut pas ne pas accomplir une mitzvah. Et donc, en tous les cas, la quantité, elle est importante. Ou la totalité, en tous les cas. Dans notre mitzvah, dans notre parasha, nous avons 75 mitzvot en tout, assez velota assez. 74. Et mon père, le Avnei Nezer, donc, qu'est-ce qu'il a objecté? Veiksha, qu'est-ce qu'il a objecté, mon père? Allons me voir, Betena de Veilia, ou Shikar, Atachlit, ou Israël, ve Torah, Nitna, les Akher, et Israël. Il y a un midrash, Tena de Veilia, ou très intéressant, où Eliyahu Hanavi qui parlait avec Rav Hanan. C'est quoi Tana de Eliyahu? C'est des paroles d'Eliyahu Hanavi qu'il disait, c'est des midrashim, des enseignements d'Eliyahu Hanavi, mamash, en chavruta, il venait chez Rav Hanan et il lui donnait des enseignements. Et on a de ça un midrash, des paroles d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi dit quelque chose de ce qui peut être surprenant. Il vient, il dit, il y a deux choses dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu aime. Torah et Am Israël. C'est les choses qu'il aime. Aval eni yodea eze mehem kodem. Je ne sais pas qui est-ce qui a été créé en premier. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Est-ce que c'est la Torah ou c'est Israël? Mais ça veut dire quoi qui a été créé en premier? Est-ce que c'est un problème chronologique? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'essentiel et l'autre, il est là pour comme un moyen. Alors, est-ce que Am Israël, c'est le moyen de la réalisation de la Torah ou la Torah, c'est le moyen de la réalisation de Am Israël? C'est une question philosophique qui, en réalité, il y a un avis. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit. Darkam shebnei Adam omrim. Il y a un avis. Il dit, qu'est-ce que les hommes pensent à cette, par rapport à cette question? Qu'est-ce qu'ils ont la vie? Ils pensent. OK? Darkan Jevna Adam Omrim à Torah Kadma, c'est la Torah en premier. Aval Ami Omer, il y a un avis, il dit, moi je dis, Israël Kadmou. Chenemar Kodesh Israël, Lachem Rechitevu Ato. Donc a priori, les mitzvot sont là pour. C'est-à-dire, Am Israël, il a été créé en premier, et les mitzvot sont là pour, finalement, pour permettre à Am Israël de se réaliser. Et pas l'inverse. Et donc, quelle est l'objection? L'objection, elle est claire, parce que là, on a l'impression qu'on est là pour le verger d'Akadosh Baruch Hu. C'est faire les mitzvot, c'est en réalité travailler le verger d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'essentiel, c'est de faire les mitzvot. Et on est, nous, les employés. On est les employés. Mais le Avnei Nezer, il objecte. Dans Tana de Veilia, on voit que c'est l'inverse. Et d'ailleurs, c'est l'inverse. Que Am Israël, c'est l'essentiel, et la Torah, c'est la réalisation de Am Israël. Et ici, qu'est-ce qu'on il semblerait qu'il est enseigné que non, que il y a le verger d'Akadosh Baruch Hu qui se travaille avec les mitzvot, et Am Israël sont les employés pour travailler le verger d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça paraît être une contradiction. Et à noter que mettre dans le et Tana de Veilia, il y a aussi précédemment peut-être une affirmation qui va dans ce sens-là qu'on vient de dire, du Tana de Veilia, dit vrai Torah. Va amar li Rabbi, mipnema chavivin divrei Torah la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi les divrei Torah sont si chers à Kadosh Baruch Hu? Amar di lo bni. Alors il y a un avis. Il dit à Rav Hanan, Amarti lo beni mipnei shedivrei Torah machrim et Israël lechavzchut umechanchim otam mitzvot umevidum otam lechayon la'aba. Les mitzvot sont pour la réalisation d'Israël. Donc il y a comme une contradiction. Évidemment, c'est une contradiction qui est faite pour nous emmener à un enseignement.
il nous dit le... Imken ma bekar, et je reprends les mots du Shem Mishmuel ici, va kadosh, allons me voir betana de Ve'eliaou, sheikar atachlit ou Israël, va Torah nitna les akechet Israël. Imken ma bekar, sheyase kol echad rak amitzvot tachamurot. Il n'y a rien de mal en réalité. C'est-à-dire, il a, maintenant, il aiguise la question. C'est que d'après le verger, on doit faire la totalité des mitzvot. Mais si je dis que les mitzvot sont pour la réalisation d'Israël, au contraire, plus les mitzvot sont graves, plus les mitzvot sont, demandent un investissement, plus ça fait mériter Israël. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que chacun fasse que les mitzvot les plus dures, les mitzvot les plus importantes, qui paraissent les plus, celles qui demandent le plus d'investissement. Alors, sauf, Isdaker Kolechal, l'essentiel c'est d'arriver à là, aux Zikour. L'essentiel, c'est d'arriver à ma réalisation. Et plus les mitzvot sont fortes et puissantes, plus j'y arrive. Ubishlama, imaita ikara Torah. Si l'essentiel, c'était la Torah, shekavanat Hashem idvara ita bibriat Israël, kedeshil midu Torah ukeimo mitzvot nicha. On aurait compris que l'essentiel, c'est de remplir, de faire le plus de mitzvot, parce qu'il faut avoir fait les mitzvot. On est là pour avoir fait toutes les mitzvot. Mais si je dis que le but, c'est Israël, donc les mitzvot, c'est qu'un moyen de les faire grandir, a priori, l'investissement dans chaque mitzvah, elle peut être, elle est plus bénéfique puisque c'est elle qui va permettre à ce les isdaker, c'est-à-dire à se raffiner et à s'élever. Ma shemken le jita tatana de Ve'eliaou ou caché. D'après le Tana de Ve'eliaou, l'essentiel, c'est donc de faire les mitzvot pour grandir, pour se rapprocher d'Hachem et pour s'élever. Et donc, la quantité, elle est moins importante. Ce qui est important, c'est là, c'est la qualité. Donc, on peut, si je dis en deux mots, d'après le Midrash, le Midrash semble nous enseigner que l'essentiel, c'est la quantité, la totalité des mitzvot, alors que d'après Tana de Ve'eliaou, l'essentiel, c'est la qualité, la force de chaque mitzvah de nous faire grandir et de nous rapprocher d'Hachem. Alors il explique. Et ça, il ramène un Rambam qui est bien connu, qu'on a déjà ramené. Minire le Farej dîner un Rambam et Pirush à Mishnayot. Et Masof, Maseret Makot. À la fin de la Gemara de la Mishnah Makot, le Pirush à Mishnah, la dernière, quelle est la dernière Mishnah de Maseret Makot? Rabbi Hanania ben Agashe Omer, la saga de Rouli Zakot d'Israël, le Zichach Ibalem Toron Mizvot, Chenemar Hashem. Si on fait attention à cette Mishnah, peut-être qu'on la lit et peut-être que la Rambam exprime, on voit Bémet que tout tourne autour des deux points qu'on vient de dire. Quand je dis le fichach ibar lahem Torah mitzvot, on a l'impression que c'est Bémet la quantité la plus importante. Rabbi Jochou Ratsa les accords, il veut nous faire mériter. Comment il nous fait mériter? Et voilà que le Rambam, il, quand il vient pour expliquer cette Mishnah, cette même Mishnah, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'inverse, pratiquement l'inverse. Il va dire, un jour où veut nous faire mériter. C'est pour cela que l'Ifichach Irba Lahem Torah Mitzvot, il nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de mitzvot. Et il nous explique le Rambam pourquoi. Parce qu'en nous donnant beaucoup de mitzvot, on va faire beaucoup de mitzvot. Et en faisant beaucoup de mitzvot, on est sûr qu'il y aura au moins une dans notre vie qu'on aura fait parfaitement. Et il est précis, le Rambam, parfaitement dans l'action et parfaitement dans l'intention. Okay? Les deux. Parfaitement dans l'action et parfaitement dans l'intention. Et c'est cette mitzvah-là qui m'ont la maba. Un homme, il aura fait des milliers et des milliers de mitzvot, mais toutes ces mitzvot, finalement, ont été là pour permettre. C'est pas un choix. Non, c'est pas tout à fait un choix. Non, c'est pas un choix. C'est en toute ma vie, en faisant toutes les mitzvot et tant de fois et toute la vie, je ferai sûrement dans tout cela une parfaitement
Et c'est ça, mon Olam Haba. Et le Rambam, il dit, combien vous connaissez-vous de Ikare Emouna que le Rambam a défini? 13. Eh bien, le Rambam, il dit que ce qu'il dit ici, c'est un Ikare Emouna. Il appelle ça un Ikare Emouna. Ah, c'est pas bon. Je ne peux pas le lire. Je sais, mais d'abord c'est le Rambam, et deuxièmement, il faut le lire d'abord pour que vous voyez que les choses sont bien mises. Non, mais je vais expliquer ça. Je vais expliquer parce que ça peut paraître Bémet l'inverse de Ikare Emouna. Alors, le Rambam nous dit comme ça. Me Ikarea Emouna Batora. Ki kshayekayem adam mitzvah mitarag mitzvot karaoui ve kahogen ve lo yeshatef ima kavana mi kavanot haolam. Il n'aura aucune intention extérieure, un intérêt ou une autre intention. Et la chéassé ota lishma me ahava, mais il a fait lishma, c'est-à-dire pour Hachem, me ahava avec amour. Que mon shibiar tilcha, par ailleurs, je te l'ai expliqué ça, iné zachaba le haye olam haba. C'est pour ça qu'il est venu, Rabbi Hanania, nous sauver. Rabbi Hanania avait la création mère, il est venu nous dire quoi? Kia mitzvot biota marbe, yefchar shelo yase adam, impossible que dans sa vie, yefchar shelo yase adam bechayab achat men, il est impossible qu'il y ait une mitzvah qui n'ait pas fait au moins une. Almat kunta ou shlemuta dans sa entièrement et parfaitement ou beasoto ota mitzvat yenafsho beoto maase ou mashiore ala ikar ken et pardon ou beasoto ota mitzvat tihyenafsho. En faisant cette mitzvah parfaitement, c'est ça qui va lui donner la vie éternelle. C'est cette mitzvah qu'il adorait dans la vie éternelle. Alors, Mordechai, il pose une question. Pardon? Non, ça sûrement pas. Non, il faut qu'une parfaite, un mâche perfection. Alors, Mordechai a posé à soulever, à remarquer en tous les cas que c'est une affirmation dangereuse. C'est une affirmation qui semble permettre à quelqu'un de se concentrer sur une mitzvah dans sa vie et se dispenser des autres. Surtout pas, c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit c'est l'accomplissement de toutes les mitzvot qui va te permettre d'arriver à une parfaite. Si tu ne fais pas toutes les mitzvot, tu n'auras pas une préparation à faire une parfaite. Et pourquoi? Parce que d'abord, chaque mitzvah, elle a une force d'éducation. Si un homme ne met pas les tefillin, jamais il pourra accomplir le loulav parfaitement. Impossible. C'est en faisant toutes les mitzvot que je me forme, je m'éduque, je me façonne, je me perfectionne, Ken, je m'élève, mais étant donné que chaque mitzvah n'a pas été parfaitement, elle n'est pas encore mon Olam Haba. Mais chaque mitzvah est une archara, on aurait dit en hébreu. Non, c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot pour donner chance à ce que tu fasses une mitzvah. On doit tout accomplir,
Et forcément, au prochain, cette préparation donnera en famille parfaite. Fait des aides. Maintenant, si je dis le fichar, c'est-à-dire quoi alors? Fais une bien, c'est pour ça qu'on a beaucoup pour faire une bien. Non, l'inverse. Le fichar, il rebat la même tourmise haute. Le fichar, c'est irba. Il nous a donné beaucoup pour donner chance. Allez, fichar, parfait. Akjourou veut les akototan. Oui. Il veut nous donner la possibilité d'arriver au Lamaba. Comment les akototan, c'est d'arriver au Lamaba. Comment tu arrives au Lamaba, c'est quand même en faisant une mitzvah parfaite. Et ça, c'est le Lamaba. Et c'est pour cela que le moyen qui te permettra de faire cette mitzvah parfaite, c'est quoi? C'est de réaliser toutes les mitzvot. Je préfère le sens inverse. On a un nombre important. Non, je commence par l'objectif. Je commence par l'objectif avant le moyen. C'est ça l'objectif? L'objectif, c'est d'arriver. Oui? C'est le Olam Haba. C'est la. Non? Non. Mais non, c'est la mitzvah, elle ne peut être là que s'il y a toutes les mitzvot. C'est ce qu'il dit. Les fichar, c'est parce qu'il faut arriver à une mitzvah. C'est pour ça qu'il fallait te donner toutes les mitzvot. Sinon, tu n'y arriverais jamais. Si un homme, maintenant, il dit, je vais faire toute ma. Il choisit que le Birkat Amazon dans sa vie. Et il faire toute la birka avec toutes les cavalantes, etc. Et il n'arrivera pas avec le birka tamazan dans la mapa. Pourquoi? J'ai compris, mais c'est du non, c'est pas, c'est là, c'est parce que la Mishnah d'abord te dit, tu sais quoi, Abjourou, il aime Am Israël, il veut nous faire mériter. Et pourquoi il veut nous faire mériter? Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est quoi le mérite les Zakot et d'Israël? C'est d'arriver à la vie éternelle. La vie éternelle, elle dépend d'une mitzvah parfaite réalisée. Si un homme n'a pas réalisé une mitzvah dans sa vie, il faut prendre l'inverse aussi. Si un homme n'a pas réalisé une mitzvah parfaitement, a priori, il y a un problème avec son Olam Haba. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois, est-ce qu'il y a d'autres avis? On va en parler maintenant. Mais en tous les cas, il est admis, ce Rambam. De mettre les rails, puis une locomotive, et puis d'arriver. C'est les rails qui sont toutes les mitzvot. Ouais. Et que pour arriver au résultat, il faut mettre les rails sur le. Est-ce que je pense. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire sans une mitzvah parfaite, l'éternité, a priori, n'est pas tout à fait assurée. Et sans faire toutes les mitzvot, je n'arriverai jamais à une mitzvah parfaite. Et maintenant, j'explique. Pour arriver à une mitzvah parfaite, pourquoi toutes les mitzvot contribuent? Et ce n'est pas seulement toutes les mitzvot contribuent, parce qu'on sent dans le Rambam qu'il y a, à force de faire dans ta vie toutes les mitzvot, il n'est pas possible qu'il n'y en aura pas une. Ça veut dire qu'en réalité, si je pourrais rajouter, que dans la vie, un homme, pour arriver à faire une mitzvah parfaitement, il y a une maturité. Une maturité qui va dépendre de l'éducation de chaque mitzvah que je fais, qui dépend des circonstances de la vie, qui dépend de tous les affrontements et les épreuves qu'un homme il a, qui le rend apte à accomplir une mitzvah parfaite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas... Et un homme, il peut croire qu'il a accompli une mitzvah parfaite, si c'est pas vrai en plus. C'est ça, faut se dévoir, on peut être dans le dimion. Hein. Le type, il... Ça se donne dans la paracha de l'équerre, on voit qu'une petite partie, il ne faut pas la piétiner. Donc ça, bien sûr. C'est le petit optimiste. Non, même l'optimiste, c'est-à-dire qu'il juge bien l'homme. C'est un optimiste, mais il y a aussi. On va y arriver à ça, on y arrive, c'est la suite. Mordechai, c'est la suite. Allez, on y va, on irait. Je suis soucieux et je veux dire appréhendé, mais en tous les cas je crains d'une mauvaise une interprétation, et j'ai l'impression que c'est le Rambam, il dit un petit peu même l'inverse, c'est-à-dire la condition de pouvoir faire une mitzvah dans ta vie, c'est de faire toutes les mitzvot. C'est plus fort, c'est au contraire, il y a plus de tviya, comment on dit le tviya, l'exigence. Elle est plus grande. Ça veut dire que la mitzvah parfaite, tu ne pourras jamais la faire si tu ne fais pas toutes les mitzvot. Et c'est ça que je veux dire, même par rapport à ce que tu voulais faire comme remarque, Yaakov. Et
Et aussi, il y a aussi le côté idéaliste de la mitzvah, ça veut dire qu'une mitzvah qui n'est pas parfaite, finalement, ce n'est pas tout à fait une mitzvah. C'est ça que ça veut dire aussi. Mais c'est les mitzvahs qui t'éduquent à la mitzvah. C'est les mitzvahs qui te rendent mûr à une mitzvah, qui t'élèvent. Donc, à mon avis, c'est merveilleux. Mais le... maturité avant la vie, avant les échecs, avant bien quoi. Sûr, il faut... et bien sûr, c'est pour ça que j'ai rajouté le côté de la maturité et de l'affrontement avec la vie, l'expérience de la vie. Sentir, un homme, il peut, on peut se tromper, un homme, il croit qu'il a fait une mitzvah avec les grandes kavanotes, parfait, etc., mais il est peut-être dans le divion, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut que le cœur soit préparé à cela. Le cœur, la conviction, la dévotion, tout ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, ça veut dire aussi que toutes les mitzvot que je fais, je dois tous les faire bien. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le lot des mitzvot, je ne sais pas que c'est laquelle que je finirai à faire bien. Donc, ce n'est pas simplement je fais toutes les mitzvot tant bien que mal pour arriver à une parfaite. Non, je dois toutes les faire parfaitement pour que de toutes se démarque une, la plus parfaite. C'est ça que ça veut dire en réalité. Bien sûr. Donc, c'est très exigeant. Non, ce n'est pas une autre, c'est ce qu'il veut dire le Rambam. Mais c'est merveilleux. C'est magnifique. À mon avis, pour le mois d'Eloul, c'est magnifique aussi. Et de l'investissement dans la mitzvah. Maintenant, on continue. Vinire, le Farej, dîner à Rambam. Alors, il nous ramène le Rambam. Je vous l'ai lu dans le Pirush à Mishnayot, mais là, il le ramène succinctement. Vinire, le Farej, dîner à Rambam, katav, din, adam, lekeim, mitzvah, achat, bishlimut. C'est très succinct. Il y aura tellement de mitzvot, il sera facile d'arriver à que chacun, au moins, aura accompli une mitzvah. Alors, mitzvot asem keneged ha'evarim sheba adam. On a 248 mitzvot qui correspondent aux 248 membres. Mais tzarich adam la santé de kulam, mais zakir kol evarav. Et un homme doit réaliser toutes les mitzvot pour affiner tous ses membres, pour parfaire tous ses membres qui sont des enveloppes des membres de son âme. Parce qu'on a 248 membres physiques qui enveloppent les 248 membres spirituels de l'âme. À quoi ça sert de faire une mitzvah parfaite? Il faudrait faire toutes les mitzvot parfaitement pour que tous les 248 membres soient. Les mitzvot qui sont pas chères. En plus, okay. Alors il dit, V'chen matinu Moshe Rabbeinu alav shalom, sherasa likanes l'eret Yisrael lekayem mitzvoter. Moshe Rabbeinu, il a demandé, il pleure, il suppliait Hachem pour pouvoir rentrer en Israël pour faire toutes les mitzvot. Donc, on voit que la quantité est importante. On voit qu'il faut réaliser la totalité des mitzvot. Une mitzvot, ça lui a perdu énormément. Mais une mitzvot, s'il n'a pas pu faire de rentrer en Israël, c'est pas une mitzvot. C'est plusieurs, c'est pas ça. C'est tous les mitzvot d'un jour de Paris. Les katab, Rav Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital écrit que Kedesh yesh shalem bekol ha-mitzvot, pour qu'un homme soit entier dans toutes les mitzvot. Ki bilti efshar la'shlir emach evarei ha-nefesh ki im al yedei tzarei ha-mitzvot, un homme ne peut pas arriver à se compléter. Et a priori, ce qu'il sous-entend ici, il ne suffit pas de faire les mitzvot comme apprentissage ou comme préparation à une mitzvah. Pour pouvoir me parfaire, il faut que je fasse en réalité toutes les mitzvot parfaitement. Parce que je dois les taken, je dois arranger un autre monde. Compléter, je dois. Il y avait un autre mot qu'on avait trouvé, mais je ne me reviens pas maintenant pour dire le mot les taken. En tous les cas, je dois parfaire ici. Je dois parfaire chaque membre. Et je ne peux pas parfaire chaque membre si je ne fais que les mitzvot, qu'en moyen d'arriver à la mitzvah. Je dois faire chaque mitzvah parfaitement pour que chaque membre se parfaisse. C'est parfait. Je voulais l'imparfait. Qui m'a aidé à faire mitzvot ou les hippours n'a mis caché. Et l'inverse aussi.
Et là, il y a une couchée à l'inverse. Qui est Kama Mitzvot, la couchée, elle est sur Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, tu dis qu'il faut faire toutes les mitzvot pour qu'un homme il soit parfait, pour parfaire tous ses membres. Pour parfaire tous ses membres. Mais il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire. Donc, de toute façon, il y a un autre. On a, même dans l'inverse, on a un problème. Que le Rambam nous dit que finalement, l'essentiel, c'est d'arriver à une mitzvah parfaite, on a un problème. Et de nous dire qu'il faut faire toutes les mitzvot, on a aussi un problème, qui est lequel ? On ne peut pas faire toutes les mitzvot, puisqu'il y a des mitzvot qui sont comme il dit, que Gon mitzvot, chez nous, à God Bamelech. Lo yarbe lo soussim, lo yarbo lo nashim, le katav lo sefer. Et le Kohen, il a ses mitzvot. Et les mitzvot circonstancielles aussi. Si un homme, il n'a jamais rencontré un kantipor, si un homme, il a eu une fille en premier, eh bien, il n'aura pas pidyon haben, qui est une mitzvot assez de horaïta. Que gon mitzvot chez nous à Gonmel Erlevad, au Betzibour, il y a des mitzvot qui sont au Tibour, il y a des mitzvot qui sont au Ken, au Bebedin, il y a des mitzvot qui sont mitzvot de Bedin. Par exemple, comptez les années de la Shemitah au Yové. Nous, on a le mitzvot Sfirata Omer. C'est individuel. Mais la mitzvah de compter les années de Shemitah jusqu'au Yové, c'est une mitzvah du Bedin. C'est une mitzvah du Bedin. Nous, on n'a pas cette mitzvah individuellement, c'est une mitzvah du Bedin. Achainian, qui colle Israël, aime Komash Lema. Là, il va répondre une réponse différente. Dans presque chaque année, il donne une réponse un petit peu différente. Nous, on avait déjà appris une autre réponse. Et là, il nous propose, et celle-là, on la connaît. On la connaît sous autre forme. Enfin, on la connaît par rapport à d'autres sujets. Achainian, qui colle Israël, aime Komash Lema. Bémet, Am Israël, on est tous une Komash Lema. C'est quoi Komash Lema? Corps homogène. Ouais, corps homogène. Et comment dire Komash Lema ? C'est on est un corps. Un corps. Une entité. Une entité. Mais Koma, il n'y a pas un mot pour dire Koma. C'est un niveau, Nicolas. Un édifice. Un édifice, peut-être. On est un édifice. On est un arbre, on est un édifice. Ken Achaïnian, Nicolas Israël, un Komash Lema. Ve im alé de Koulam. Entre parenthèses, Efsar, chez Mr. Fim, Afilo, Otam, Chikvar, Nifteru, Leolam. Il est possible que même ceux qui ne sont plus de ce monde, leurs mitzvot vont se joindre. Kibarolam, Aelion, ou les Malaminazman, parce que finalement, c'est passé, mais en haut, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Donc, c'est toujours existant. Nitkaimu, Kola mitzvot, c'est-à-dire avec l'ensemble de Amisraël, toutes les mitzvot se réalisent. Domé, Keilu, Kolechat, Keim, Kola mitzvot. Ça veut dire que si nos mitzvot vont se joindre, Ken, se réunir toutes les mitzvot, alors finalement, moi, je jouis des mitzvot que je n'ai pas pu faire, que je ne peux pas faire. Arze, la condition, là, Arze, Beim ou Davouk Biklal Israël, c'est la condition qui soit Davouk Biklal Israël. Vim osé mitzvah rad bishlemut. Et si un homme il arrive à faire une mitzvah beshlemut, areu keechad meivare atibur, il va être comme un des membres de la communauté d'Israël. Mais là, on voit qu'il nous ramène le Rambam. Ça veut dire que pour que moi, mon membre, le membre qui est ma mitzvah, soit bénéfique pour moi et pour tout l'ensemble, et que chacun va jouir du membre de l'autre, de la mitzvah de l'autre, il faut qu'il y ait d'abord une mitzvah qui est faite entièrement. Et pour que cette mitzvah soit faite parfaitement, qu'est-ce qu'il faut d'après le Rambam ? Il faut tout. Mais là-bas, c'est de faire toutes les mitzvahs dans le sens de Akshara à la mitzvah parfaite. Ça reste. Mais maintenant, la mitzvah parfaite que j'ai faite, ça ne suffit pas. D'après Rabbi Chaim Vital, on a besoin que toutes les mitzvahs soient réalisées. Et moi, je n'ai pas réalisé toutes les mitzvahs parfaitement. J'en ai réalisé qu'une parfaitement grâce à toutes. Vous comprenez, toutes les mitzvot, c'est un moyen d'arriver à une parfaitement. Donc, il faut faire toutes les mitzvot, toute la vie, pour arriver à une parfaitement. Mais il ne suffit pas d'une parfaitement. Il me faut tout parfaitement pour que je sois entier dans les Remar et Varim, dans les 248 membres. Là, on vient et on répond qu'à Israël entier, il y a une complémentarité des mitzvot. La complémentarité des mitzvot.
C'est la condition même. Et Béhimout avoue que déclare l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? On y allait. Non, mais ça, il va développer. Ça, il va développer. Ça, il ne va pas laisser ça. Ah, Isé Béhimout avoue que déclare l'Israël. Si un homme, il est Béhimout avoue que déclare l'Israël, il est uni avec Israël. Béhimout, mitzvah, achat, béchlimout. Et lui, il aura fait une mitzvah, béchlimout. Aréou, kéchad, mévaré, à tibour. Et donc, moi, en étant attaché à Israël, je vais donner, faire bénéficier tout un Israël de ma mitzvah, et moi je vais bénéficier des mitzvot. Mais de quelles mitzvot? Des mitzvot parfaites. Parce que les mitzvot imparfaites, entre guillemets, c'était les mitzvot que chacun de nous doit faire pour arriver à la mitzvah parfaite. Vous comprenez? Ach, Moshe Rabbeinu alav shalom. Ah, si c'est comme ça, pourquoi Moshe Rabbeinu il a besoin de demander de faire les mitzvot puisqu'il y a une complémentarité? Moshe Rabbeinu, il est tout seul, tout Israël. Donc il y a un problème chez Moshe Rabbeinu, puisqu'il est tout seul, tout Israël. Il est équivalent à tout Israël. Lui, Moshe Rabbeinu, il est obligé de les accomplir, parce que lui, il ne va pas dépendant des mitzvot d'Israël, ou Israël dépendant de ses mitzvot. Il va devoir, lui, accomplir tout. Oui, Am Israël peut être dépendant de lui, mais lui, bah... pardon. Il a tout fait. Non, mais c'est pour ça qu'il demandait. C'est pour ça qu'il prie. C'est ça qu'on explique. Non, mais il est complet. Il est mieux fait que même guette, même ça. Bon, ça, Bémet. Le Shem Ishmoel, par ailleurs, explique. Il objecte direct, d'abord, il objecte d'une manière un peu plus, même. Plus forte, puissante, peu importe. Où il dit, mais mon cher Abénou, il était Lévi. Et ici, il est Lévi. Il n'a pas de part en Eretz Israël. Et s'il n'a pas de part en Eretz Israël, il ne peut pas faire les mitzvot de l'autre part. Il ne pouvait même pas acheter un petit karba à mode pour la shmita quand il vend, même s'il aurait été là pour acheter. Oui, d'accord, mais c'est les villes des Lévim, d'accord, c'est tout. Mais c'est pas, ça ne s'appelle pas une achala. C'est vrai, ils avaient les villes. Ça ne s'appelle pas une achala de... Hachem Nahalatam, je vous c'est là en Nahalat. Donc là-bas, il va répondre en réalité que Moshe Rabbe, qu'en accomplissant une mitzvah avec amour, l'ishma, comme il définit le Rambam, en réalité, je rejoins l'intérieur de la mitzvah. Qu'est-ce qui fait la différence entre une mitzvah et une autre? C'est l'aspect extérieur. Mais dans l'intériorité, toutes les mitzvot, c'est Retson, Retson Hashem. Et si j'arrive à faire la mitzvah, pas d'une manière superficielle, mais d'une manière pnimite, à ce moment-là, cette mitzvah-là me relie à toutes les mitzvot. Ça, c'est une autre explication qui donne. Okay? Parce qu'en réalité, chaque membre, il a une fonction différente. Le bras et les yeux, c'est des fonctions différentes. Ça, c'est au niveau de la fonction extérieure du corps. Mais en réalité, au niveau de l'ADN, DNA, c'est le même DNA. C'est-à-dire, dans l'intérieur, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Les yeux ou les bras, c'est la même chose. Et dans les yeux, il y a tout le corps. Et dans les bras, il y a tout le corps. Et dans les pieds, il y a tout le corps, etc. Donc finalement, tant que je suis superficiel, donc, je ne rentre pas dans le noyau de la mitzvah, dans le cœur de la mitzvah. Mais plus, si j'ai fait la mitzvah avec beaucoup d'amour, donc je ne suis pas superficiel, je suis intérieur. Si je suis intérieur, je rejoins toutes les mitzvot, parce qu'il y a un seul réseau interne. Ça c'est une autre explication que tu as donnée. C'est pour répondre, entre parenthèses. Hein? Cette mitzvah-là dont on va s'attacher, elle va nous faire élever toutes les autres mitzvot. Oui. On va faire de l'ordre, je crois, qu'il va nous toucher vers la perfection. Voilà. En réalité, oui, non. C'est-à-dire que si je rejoins l'intérieur, donc je rejoins le DNA,
Et si je rejoins le DNA de la mitzvah, dans le DNA, en réalité, il y a le code génétique de toutes les mitzvahs là. Non, encore une fois, toutes les mitzvahs me permettent d'arriver à une mitzvah parfaite. Mais quand j'arrive à la mitzvah parfaite, en réalité, cette mitzvah parfaite aura compris toutes les mitzvahs dans leur perfection. Puisqu'elle se trouve dans cette mitzvah. Okay. Dans les autres mitzvahs, on les fera différemment après, ou pas? Si on fait j'ai réussi, j'ai eu toutes les mitzvahs à travers cette mitzvah, oui, puisque j'ai rejoint l'intérieur. Non, avec la perfection, on peut. Oui, on peut. Mais là, là-bas, il a. Donc, je continue. Vimken aya mouchar le kem beatzro kulam kiecha. Vimken chapir a tête du bras midrash. Shouchach le alim a mitzvot kibim ayu kulam aussi brak a chamurot. On comprend maintenant le midrash qui dit il a caché les. Il n'a pas dévoilé la récompense. Parce que sinon, tout le monde ferait que les mitzvot importantes. Shuv lo ayu akalot mitkayimot klal. Mais shuv ayu nisharim haevarim shenkeneket mitzvot akalot bilti mizukachim. Il serait resté des mitzvot qui n'auraient pas été réalisées. Mais en réalité, maintenant que Jochou ne nous a pas dévoilé, donc on va faire tout et chacun peut arriver à une perfection de toutes sortes de mitzvot. Un homme, il peut arriver à la perfection d'une mitzvah, pas d'Afka, celle qui lui paraît la plus importante. Ou Bezei Yuvan, Mashikan, Nehemar, qui était la Milchama. Et maintenant, on va comprendre le début de notre paracha. Qu'est-ce qui est écrit? Qui était la Milchama. On t'annoua Hashem Enokecha. Qui était la Milchama. Aloïvecha, ken. On t'annoua Hashem Enokecha Biadecha. Shavita Shivio. Tu vas, Akjoukou va te donner l'ennemi. Ken, biadecha, c'est-à-dire, tu vas le vaincre. Ken. Et Shavita Shivio, et tu vas ramener des captifs. Comme ça on dit. Et c'est là que Varaïta Bashivia, Echet Yefatoar, etc. Alors, pourquoi c'est écrit ici, sous cette forme-là, qui t'est la milchama, quand tu sors à la guerre? Il y a deux diukim ici, diukim. Le premier diuk, c'est qu'on parle ici de sortir à la guerre, et c'est au singulier. C'est au singulier. Alors que dans Parashat Be'alotra, quand on parle de la ken, kitavo, kitavo milchama be'atzechem alatzar atzorer etchem, ken ve'chule ba'areotem ba'hasotzrot, ken. Après ça, Yom Zimratrem, mouvement Adechem. Donc là-bas, on a la mitzvah de sonner les trompettes quand il y a une guerre. Et comment c'est écrit là-bas? Au pluriel, Vechitavou, et vous ne sortez pas à la guerre. Et là, vous venez à la guerre, ça veut dire que la guerre se trouve dans votre pays, et vous devez vous la rencontrer ici, Vechitavou, Milchama, Be'artzechem. Si vous venez, vous, à la guerre dans votre terre, vous ne sortez pas. Donc, il y a deux différences. Donc, et ces deux différences sont reliées, si vous voulez, même à la conséquence. C'est-à-dire, si moi, je sors à la guerre et c'est au singulier, je ramène des captifs. Mais si au pluriel, on sort à la guerre, mais on ne sort pas, pardon, on fait la guerre à l'intérieur, qui t'avoue, Milchama, on rentre, Ken. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous sonnez les trompettes, il n'y a pas de captif. Non, on parle de Réchoute. Ici, on parle de Réchoute, là-bas aussi. Ça peut être. Sur la terre, c'est Réchoute. Sur la terre même, il ne faut pas aller tous les. Oui, mais c'est là-bas, Kitavo ou Milchama. On parle de Kitavo et la Milchama. Alors, il nous dit le Vezekeni, Kvod Kocho, à Rabbi Mekotsk, c'est-à-dire son grand-père. Qu'est-ce qu'il dit? Si on va, nous, vers le Yetzirara, nous, on sort en guerre avec lui. C'est nous qui déclarons la guerre au Yetzirara. Rabbi Avraham? Ken? Ah, on m'entend? Oui, très bien. Je ne vois pas le texte sur l'écran, c'est pour ça que je...
Quelle est la différence entre les deux psukim de guerre? C'est la milchama ou kitavo milchama d'Artsechem? Quelle est la différence entre les deux? Le sujet ici, c'est toi qui sors. Là-bas, c'est la milchama qui vient. Oui, mais quand est-ce que tu vas pouvoir amener des captifs quand c'est toi qui sors à la guerre? Alors là, on connaît évidemment l'allusion à la guerre avec le Yetzirara. Achidouk, imiotim neged Yetzirara, c'est le grand ennemi. C'est le grand ennemi. Pas grave, c'est Chassotrot. Qu'est-ce qu'il disait le rabbi Nikotsk? Amar achilouk im yotzim neged ha-yetzara. Si toi tu vas, c'est toi qui déclare la guerre avec le yetzara. C'est toi qui sens chez lui, qui va vers lui. Azuntano hachem enoke rabbi ader, un jour il va te le donner, si tu vas pouvoir le vaincre. Machenken, uchitavo, mirchama, marzechem. Si c'est lui qui vient, et c'est toi qui est sur la défense, et tu vas à la guerre. Le Yetzirara, il est lui qui est venu dans tes contrées. C'est lui qui est rentré dans ton territoire. C'est lui qui est rentré. Il est chez toi. Mais c'est pas là. On ne peut pas sortir. C'est pas nous qui les ont sortis. On est, pris d'assaut. Agressé, à se cacher la volée nitsoir ou tsukhin, et là c'est plus difficile de vaincre. Quand on est agressé, c'est plus difficile de vaincre, et alors qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de hatsotsrot. Ulfi d'arkenu, d'après ce qu'on a introduit, d'après ce qu'on a expliqué précédemment, yesh lomar, d'iné ikar nitsoir hamil khama, quel est l'essentiel de la victoire? Comment on arrive à la victoire? Comment on arrive à vaincre? Ou à l'aider de tselema elokim? Qu'est-ce que ça va faire Tselem Elohim ici? Il faut vaincre, il nous faut Tselem Elohim. Comment j'ai bâti? Donc, comment on a trouvé chez Yonatan Ben Shaul, chez Nafal, pardon à la Plishtim? Quand les Plishtim ont fait ils ont bémet, fait du mal à Amisraël, surtout en éliminant toutes les armes. Toutes les armes, il ne restait plus d'armes chez les Juifs. Les Plishtim, les Philistins, ont supprimé. Tous les armes, il ne restait plus qu'un glaive ou une épée chez Shaul Améler et Yonatan, son fils. Alors, Yonatan, il a dû prendre son fils du courage, il a pris son serviteur, pas avec son père, il est allé de son côté, lui, le fils de Shaul. Et quand il s'est rapproché, évidemment, il a fait une sorte aussi de hôte, de signe, il a voulu avoir un signe, et le signe était que si l'ennemi allait dire « Allez, venez, on va sur eux, sur ces Juifs-là, hein, on avance vers eux. » Alors pour Yonatan, c'était un siman que quoi? Qu'il fallait lui aller. Hein, et s'ils avaient dit « Venez vers nous », il y a là-bas, vous regarderez. Dans tous les cas, ce qui veut dire ici, ce qu'on voit dans le texte, c'est que les Plishtim, ils ont eu peur. De qui? De Yonatan et son serviteur. Ils ont eu peur. Kharada. Puis Yonatan, c'est la fal pardon à la Plishtim. Comment chama quoi que tu as vu à Tam, Shen Mechoussar Ever, le Adenezer l'expliquait pourquoi un homme qui lui manque un membre, il n'a pas le droit d'être, de sortir à la guerre. Pas parce qu'il est handicapé seulement, pas parce qu'il a un problème. De pouvoir agir. Le problème, c'est qu'il manque une perfection spirituelle ici. Atam shen mechusar ever yotzer milchama mishum dekevan shu mechusar ever en tselem haElohim etzlo beshlemut. Un homme qui lui manque un membre, il y a aussi un petit problème, un problème au niveau du tselem Elohim. Quelle est la force de l'âme Israël contre l'ennemi? C'est le tselem Elohim. Du genre sur les tefillin, Shel Rosh Ma'omrim, Verahu Chola Me'ares, Kishem Hashem, Nikra Alecha, Verahu Mimeka, que les tefillin aussi attirent vers nous le Tselem Elohim, comme c'est écrit dans le Zohar.
ou le kar kan dirtiv. C'est pour ça que ici il est écrit kitetse la shon yachid. Ici il est écrit kitetse au singulier. Shem kulam keish echad lev echad. Quand c'est au singulier, ça veut dire qu'ils sont tous uni, ils sont une seule. Ils sont un. Vimken nechav she kol echad kayem kol remar mitzvot aseh. Si on est un, ça veut dire qu'en réalité, tout le monde bénéficie des mitzvot de tout le monde. Parce qu'on a dit quelle était la condition pour pouvoir jouir chacun de nous de la perfection de toutes les mitzvot. C'est l'union. C'est qu'il a dû écouter. Chacun a une mitzvah parfaite à donner. Okay. Et tout le monde va jouir de tout le monde dans les mitzvot parfaites. Les mitzvot imparfaites sont obligatoires, elles sont conditionnelles pour arriver à la mitzvah parfaite. Et un homme n'arrivera jamais à la mitzvah parfaite s'il n'accomplit pas toutes les mitzvot, je le répète, c'est clair. Mais quand il arrive à la mitzvah parfaite, il n'a pas encore toutes les mitzvot parfaites. Là, pour la perfection, va dépendre de quoi ? De la complémentarité. L'imken, erchav, chez kolechat, kim kolremar, mitzvot, azé, kanat, si on est unis. Venishlam, etzel kolechat, kolremar, evare, anev, et chacun a remar, remarim, parfait. Et ce moment-là, si on est parfait, on a le tselem elokim. C'est quoi la perfection des mitzvot? C'est la perfection des membres. Quels membres? Les membres du corps qui sont une enveloppe des membres de l'âme. Et si les membres de l'âme sont en perfection, on a bémet le tselem elokim. Quand l'âme elle est parfaite, elle, c'est le tselem elokim que nous avons. Shoreh tselem elokim b'shlemut al kol echad v'echad ubetach inatzchu hamilchama. Et si on a le tselem elokim, on va sûrement vaincre, on va sûrement gagner. Machenken, Sham, Shneimar. Alors que dans la parasha de Be'alotra, qu'est-ce qui est écrit? Kitavo belashon rabim. Ça veut dire qu'on n'est pas unis. On est plusieurs. Quand on dit, quand c'est au pluriel, ça veut dire qu'on n'est pas un, on est plusieurs. Si on est plusieurs, ça veut dire qu'on n'est pas unis. Si on n'est pas unis, ça veut dire que personne est en état de réma révarim, puisqu'il n'y a pas la complémentarité. Et si on n'a pas réma révarim, on n'a pas de tselem elokim. Si on n'a pas de tselem elokim, alors il n'y aura pas de shavit ha-shivyo. Il n'y aura pas de shavit ha-shivyo. Il y aura quoi? À quoi ça va servir? Je vais nous le dire. Un homme ne peut pas faire toutes les mitzvot parfaitement. Il doit faire toutes les mitzvot pour qui vont l'amener à faire une mitzvah parfaitement. Mais la mitzvah parfaite, il ne peut pas l'accomplir pour toutes les raisons qu'on a énoncées précédemment. Mais avec la complémentarité, on arrive à chacun à la remar mitzvot. Et donc, si cette complémentarité n'existe pas, qui est le cas de kitavo milchama be'artzechem, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Alken em tzrichim rachamim rabim. On a besoin de beaucoup de rachamim, de miséricorde. Ou tzrichim itorerut. On a besoin d'un grand réveil. Ou lekach haetza yutza. Quel sera le conseil? Vous devez sonner les trompettes. Teruah iganu regona. Il y a écrit va'areotem, pas de kia. Il n'y a pas écrit vous de kartem. Va'areotem, c'est teruah. Va'hatzotzrod. Teruah iganu regona ve'inuleyala. C'est des sons de pleurs, des sons de détresse, des sons de. La tkia, c'est le chesed. Et teruah, c'est le. C'est la détresse. Teruah iganu heganach, c'est des longs, c'est des sons saccadés mais longs. Et yelulei yali, c'est quelqu'un qui éclate en sanglots, qui a des sons beaucoup saccadés, beaucoup plus saccadés. Eliot chafé, et qu'est-ce que ça va m'aider à ça? Quand ça brise les cœurs, la teruah, elle est là pour briser les cœurs. Et quand on brise les cœurs, on ôte de nous, on écarte de nous quoi? L'orgueil, l'ego. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Le liot shvalberer. C'est quoi shvalberer? Les genoux courbés, c'est-à-dire modeste. Benishbar benyatzmo. Et un homme, il est brisé à ses yeux. Et si chacun est brisé, il n'y a plus rien qui nous sépare. Qu'est-ce qui fait
qu'est-ce qui fait les distances et la séparation entre deux juifs? C'est le moi. Si j'enlève le moi, tiens, il n'y a plus plusieurs moi, il y en a un seul, Am Israël. Et à Soukoulam, Keish Echad, on devient Keish Echad, Belev Echad. Qui colle Pirou dans le Vavot, ou Mechamat, qui colle Echad, ou Yesh Pehene Atzmo. Tout le Pirou de Levavot. La division des cœurs, elle vient du fait que chacun, il est Yesh. C'est quoi Yesh? Je suis Yesh, c'est-à-dire je suis, mon moi, j'existe. Mais dans le sens de d'existentialisme. D'abord moi. Tiens. Okay. C'est-à-dire le sens de ma vie à moi, ma vie à moi. Et le risque un peu de tomber là aussi un peu dans le... Oui, évidemment, dans ça, il en parle par ailleurs. Ou baiser Yuvan, Shapir, les chants de Meniskartem. C'est pour ça qu'il est écrit que quand vous allez sonner les sons des trompettes, vous allez, Akjoukou va se rappeler de vous. Meniskartem. Dans Parashat de Alotra, quand la guerre revient, vous sonnerez les Chasrotsot. Meniskartem, je me rappellerai de vous. Ou votre le souvenir va monter chez moi. Et les Chahora, à l'aube Israël, qui. Pourquoi aujourd'hui il a besoin de se rappeler de nous? Qu'est-ce qui est écrit dans Ishaïa? Hen al-kapaim hakotir. Vous êtes inscrit dans la paume de ma main, Akjoukou, il dit. Donc Akjoukou, il a besoin qu'on sonne des chasrosot pour qu'il se rappelle de nous. Arrête, on est toujours inscrit, ça c'est un passouk dans Ishaïa. Hen al-kapaim, vous êtes sur les mains, sur mes mains. Hakotir. Je t'ai inscrit, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. C'est comme ça que c'est écrit dans le passage de Ishaïa. Donc, Akjoukou, il se rappelle de nous toujours. Mais là, Matsrichim, les Echasrotrot, on a même besoin de trompettes pour ça. Ou les Anal, il y a Téchapir, d'après ce qu'on vient de dire, on comprend des Kevan, Shem, Nifradim, Zimizé. Tant qu'Am Israël sont séparés, on Akjoukou, il a sur lui, qui il a sur sa main? Am Israël. Mais si on est séparés, eh bien, finalement, on n'est pas l'entité qui est gravée sur sa main. Il faut retrouver l'entité de Am Israël pour qu'il nous voit. Entre, évidemment, Kaviachol, il ne nous voit pas sur sa main, mais qui est inscrit sur sa main? C'est Am Israël dans son ensemble. Mais si vous êtes chacun individuellement, ce n'est pas ça que j'ai inscrit dans ma main. Donc, comment on va se retrouver sur sa main? En brisant les cœurs, je rabaisse mon moi, j'annule mon moi, et à ce moment-là, on s'unit, on est tous unis, en étant tous unis, on se retrouve sur la main comme on est gravé. Et il termine le Shem Ishmoel avec le Shabbat. Okay. Le Shabbat, Moïla, Lézé. Et le Shabbat, il aide à cela. Oui. Qui Shabbat, Iraza de Echad, Vimeachad et Kulam. La force de Shabbat, c'est de réunir tout le monde. Parce que c'est quoi les jours de la semaine? Les jours de la semaine, c'est le travail. On est attaché à la matière. On est attaché d'abord, chacun à son domaine dans la vie. Et quand est-ce que le domaine personnel de chacun, c'est dans l'activité personnelle, on est séparé essentiellement. Et le fait qu'on s'occupe de matière, la matière, c'est le monde. C'est le monde où les divisions, c'est le monde du Piroud, de l'âme à Piroud. Alors que quand on monte dans la spiritualité, on dit finalement, ce monde si grand, si beau, si riche, si divers, en réalité, il n'y a qu'un seul. Mais quand est-ce qu'on rejoint le un seul qui est le Créateur? C'est quand je reconnais que finalement, toutes ces diversités-là, il y a un seul qui est l'origine de tout ça. C'est lui. Donc, le Shabbat, c'est l'union. Et nous, chacun de nous, on rejoint ce qui unit la création, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est le Raza de Echad. Bon, il y a beaucoup à dire sur cette notion d'unité du Shabbat. D'abord, en disant que chacun, on estompe les divisions des domaines et de l'activité, puisque le Shabbat, il n'y a pas d'activité particulière, il n'y a pas de compétition au niveau du travail, au niveau de Ken, au niveau de tout, des échanges. Et aussi, on rejoint ce monde matériel-là, il est divisé, mais
Il y a un seul qui est origine de tout ça. Le Shabbat, on y a les arts, qui Shabbat, qui razad echad, c'est le secret de echad. Vihim echad et kulam le Shabbat nous unit, devrait nous unir en tous les cas. Ou beze yesh la vin lama, Yericho nirbecha be Shabbat. Pourquoi la ville de Yericho a été conquise d'Afka le Shabbat? D'Afka, qui Yericho ayou Shiva umot, parce qu'à Yericho, il y avait les sept nations qu'il fallait détruire. Tous les nations des Shiva Amamim, en Eritrée, qu'on a le devoir de détruire, ils sont tous venus à Yericho. Et on avait besoin, nous, pour contrer cela, de la force de l'unité. On avait besoin d'arriver à un Tselem Elohim, mais très haut, parce que là, on avait les nations qui s'étaient unies pour le mal, et les sept nations les plus mauvaises, qu'elles. Et c'est pour cela qu'à la conquête de Yericho, elle devait se faire Shabbat pour puiser du Shabbat la force de l'union. Malgré qu'en général, il y avait une certaine union, elle n'était pas suffisante quand il fallait affronter Yericho, où il y avait l'union du mal. Parce que le Shabbat, c'est le secret, c'est l'unité par définition, c'est elle qui nous donne le pouvoir, qui nous permet d'arriver à l'union. Donc finalement, l'idée de Remach Evarim, Bechiza Gidim, qui est la complémentarité, on peut arriver à le Shabbat un petit peu à exploiter du Shabbat ou à recevoir du Shabbat, puiser du Shabbat ce pouvoir de complémentarité qui m'emmène à en réalité d'avoir tous les remarques mitzvot complètes, parfaites, malgré que personnellement mon devoir pour me réaliser c'est une seule parfaite qui nécessite et est conditionnelle de faire toutes les mitzvot pour arriver à une parfaite. Mais une fois que j'ai une parfaite, je vais jouir les autres mitzvot parfaites par le biais de la complémentarité. Shabbat shalom.